Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, et bienvenue ce matin sur votre antenne, on va dire bon lundi quand même, on s'en excuse pour le petit retard qu'on a jusqu'ici, mais on vous rassure qu'on aura l'occasion de partager un moment incroyable en télévision avec vous pour cette édition de 10-12, le Zénith, tout en salant bien sûr la grande famille au complet ce matin. On va peut-être le dire dans cette Dieu que ça bouge énormément en ce moment au niveau de du port autonome de Douala, ou des informations quand même relevant d'une susceptibilité autour, va-t-on dire, du directeur général de cette entreprise, fait courir plus d'un Camerounais sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique justement l'accusation portée par Kanamboa, naturellement en sa personne? Les 163 millions de francs CFA exigés ont-ils réellement été payés? Au cas contraire, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette cabale lancée, entre autres, du point de vue de la communication sur la personne du directeur général du port autonome de Douala aujourd'hui, Cyrus Singor? Et à côté, ils sont nombreux, les fils Sawa, notamment du canton Bel, qui le week-end dernier ont fait savoir encore leur indignation quant à la mise à l'écart de certains d'entre eux, mais surtout l'expropriation des terres de certains, qui ont estimé qu'ériger à cet endroit un hôtel baptisé Hôtel Marriott est un problème incroyable et que ces derniers risqueraient bien sûr de connaître pas mal de soucis si jamais ils n'étaient pas reconnus dans leurs droits. Et parlant de droits, comment comprendre cette information selon laquelle ces derniers ont été déjà dédommagés? Où se situe la bonne information véritablement? Que disent-ils exactement, madame, monsieur? On en parle naturellement ce matin. Et on parle encore de cette histoire qui est devenue un réel serpent de mer au Cameroun. L'accès aux grandes écoles, ou encore pour désormais être recruté au sein de la fonction publique après être formé dans des écoles comme l'école normale, on devrait désormais avoir à nouveau un concours pour avoir accès. Qu'est-ce que cela explique? Qu'est-ce que le professeur Jacques Famundongo du ministère de l'enseignement supérieur et même le ministère de le Minfropra aujourd'hui, oui, de la fonction publique et la réforme administrative, tente d'apporter comme solution à cette question épineuse qui est en train de faire beaucoup de bruit. Madame, messieurs, il faut bien évidemment se réveiller car le mal semble profond et beaucoup en parle, peut-être sans le dire véritablement. Enfin, sur les... où il faut le dire, en tout cas. Nous en parlons bien ce matin. Eh bien, on se fera un plaisir énorme d'être aux côtés de la grande famille, je le disais à l'instant. Donald Briscamgon nous retrouve ce matin. Donald, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toute l'équipe, bonjour à nos téléspectateurs. Allez, c'est un plaisir d'être à vos côtés également. Et patronne de vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous madame, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour à ceux qui regardent le programme. Beaucoup de courage aux familles des victimes, encore des morts sur nos routes. Je pense à Mokoti, le week-end ou du sang qu'on a eu sur la chaussée, malheureusement. On en parlera tout à l'heure. Cher Lamel Mbatiou, bon retour. Bonjour monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Plaisir de vous retrouver bien sûr ce matin. Et Géraldine Mafo, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngatiou, bonjour à nos chers téléspectateurs. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. C'est parti avec la première halte de cette édition. C'est bien évidemment l'histoire du jour que nous restitue Géraldine Mafo. Et l'histoire de ce lundi matin est celle de Caroline. Caroline est âgée de 38 ans, mère de deux enfants sur le point de mettre au monde le troisième enfant issu de son mariage il y a 7 ans. Rappelons que Caroline est la seconde épouse d'un foyer polygamique. Elle était infirmière dans une clinique de la place avant d'entrer dans ce mariage. Et lorsqu'elle venait au mariage, elle exerçait sa fonction. Seulement, son mari lui avait dit... Il prenait une seconde parce que la première était un peu têtue, il ne voulait plus vraiment les maux de tête et tout. Quand elle est entrée dans le mariage, une année après, son mari lui a demandé d'arrêter le travail parce qu'il avait la capacité de lui offrir tout ce qu'elle voulait. Il voulait une femme qui serait là pour lui et pour ses enfants. Ce que Caroline a fait, elle a abandonné son travail parce que, disait-elle, elle avait peur de commencer aussi à faire des choses pour déranger son mari. Tout marchait bien pendant les 5 années où elle a mis leurs deux enfants au monde. Monsieur était présent, subvenait à ses besoins. La première semblait faire la vie à sa guise, continuait d'aller à son boulot, la première, elle qui travaillait pourtant. Sauf que depuis 2 ans, Caroline vit une situation compliquée. Il faut qu'elle tambourine pour que son mari pourvoie au moindre besoin de la maison. Elle est fatiguée de lui demander quoi que ce soit et la situation s'est envenimée depuis qu'elle attend leur troisième enfant. Le mari l'a presque abandonnée avec les charges de la famille et lorsqu'elle parle, ça ne change rien. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est sur le point d'officialiser à la mairie sa relation avec la première. Il faut dire qu'il avait doté la première et pas
Il ne l'avait pas amenée à la mairie. Elle ne comprend pas comment son mari peut se comporter de la sorte. Elle a pris pour résolution de partir accoucher chez sa mère et elle pense qu'après avoir accouché, elle ne rentrera plus dans ce foyer. Est-ce qu'elle est en train de prendre la bonne décision? Sinon, comment faire pour reconquérir son mari? Elle est perdue. Et bien sûr, vous l'avez très bien dit, que le problème fondamental que posait cette histoire ce matin était le management des foyers polygamiques aujourd'hui au Cameroun. Il y en a peut-être parmi nous ce matin qui pourront nous faire l'analyse ou encore nous dire exactement comment est-ce qu'ils parviennent à manager leur foyer polygamique à la lumière de l'histoire qui nous a été présentée ce matin, madame, messieurs. Commençons bien sûr à prendre les analyses de Donna Briscamgan qui il n'est pas polygame, je ne sais pas s'il le souhaite en même temps, peut-être avec lui, on tentera de mieux comprendre la question du management des foyers polygamiques, chose facile ou pas à votre avis? Bon, je ne me sens pas ça, ce soit la problématique centrale que soulève cette histoire. Je vois plutôt une question de gouvernance économique des foyers. Vous avez là un couple dans lequel l'homme pense que la femme ne doit rien faire, doit être confinée au statut de femme ménagère, si j'ai bien compris. Et c'est l'homme qui doit pouvoir subvenir à tous les besoins. La santé, l'alimentation, les dépenses courantes et ainsi de suite. Et à un moment donné, manifestement, il ne tient plus. Je ne sais pas si l'histoire ne nous dit pas s'il a des difficultés sur le plan professionnel qui font que, contrairement à ce qui se passait par le passé, qu'il ne puisse plus être à même de subvenir aux besoins du ménage. Mais il me semble que si pendant un certain temps, nos parents et grands-parents ont vécu dans une société où justement on avait une petite famille, où les conditions de vie étaient relativement intéressantes, où les gens pouvaient épouser une femme et lui dire « tu te confines à nettoyer le sol le matin, à faire la vaisselle, la lessive, et moi je vais au boulot, je reviens le soir avec les provisions, et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive ». Il me semble que cette époque-là est révolue. Il serait difficile dans la vie d'aujourd'hui de penser un foyer dans lequel l'homme pourvoit à tout et la femme attend simplement que le salaire tombe et que cela puisse servir à nourrir la famille, à l'habiller, à envoyer les enfants à l'école, à se soigner en cas de maladie grave, ainsi de suite. Donc, cette base-là, elle me semble complètement fausse au regard de la réalité de notre société aujourd'hui. Une société où les conditions économiques sont devenues extrêmement dégradées. Une société où les gens sont de plus en plus égoïstes. Parce que cette chaîne de solidarité qu'il y avait à l'époque faisait que la femme pouvait se confiner au rôle de ménagère. Et de toutes les façons, le cousin, l'oncle, la tante, donne un coup de main avec ce principe de solidarité et que finalement on parvienne à joindre les deux bouts. Donc les sociétés sont devenues, nos sociétés sont devenues très individualistes et donc les gens ne comptent que sur eux-mêmes. Cette base-là donc sur laquelle l'homme a voulu fonder son foyer me semble être une base tout à fait irréaliste et c'est cette réalité-là qui le rattrape aujourd'hui. Voilà. Tentons de mieux comprendre le management des foyers polygamiques ce matin. C'est une question évidente, même si j'ai, je vais dire Isabelle Carozopet, n'est pas pour la polygamie. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous gardez comme message de l'histoire de ce matin, hein, Isabelle Caron? Je n'ai rien contre ceux qui sont polygames et je n'ai rien contre ceux qui choisissent monogamie. D'accord. Vraiment. Moi, je dis et je pense toujours que chacun doit simplement avoir les moyens d'assumer le choix qu'il fait. Si vous choisissez d'être polygame, ayez les moyens qui vont avec. Si vous n'avez pas ces moyens, alors laissez tomber. Pareil pour la monogamie. Bref, si vous n'avez pas les moyens et tout ce que ça comporte pour avoir femme, enfant, enfanté, laissez les enfants des gens respirer. Alors, je suis étonnée qu'en 2022, on écoute encore ce genre de son de cloche. Il m'a demandé d'arrêter mon boulot et au nom de l'amour, j'ai arrêté.
Mais de quel amour vous parlez? Aujourd'hui, l'amour, malheureusement, a des yeux. Aujourd'hui, l'amour, malheureusement, a des contraintes. Aujourd'hui, malheureusement, l'amour a des exigences. Et quand on parle d'exigences, on parle de rentabilité. Il est important pour la femme de pouvoir ramener à la maison. C'est important pour elle-même, pour ses enfants, pour son mari, pour leur avenir de couple. Il est important de pouvoir le faire. Et ça part simplement de la confiance que monsieur place à sa femme. Vous avez confiance à votre femme, vous lui trouvez un emploi, ça peut être dans le secteur formel, informel, dans une entreprise, ou alors elle-même, elle peut créer une activité. Mais dans tous les cas, monsieur, vous devez tout faire pour que votre femme puisse avoir une activité génératrice de revenus. C'est hyper important pour son épanouissement, même d'ailleurs, ça participe. Donc de dire que j'attends à la maison, mon mari a dit qu'il va tout me donner, et oui, il me donnait tout pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, à la 4e année, on commence à écouter les pleurs partout. Non, je crois que madame, vous avez péché, vous avez extrêmement péché. Aujourd'hui, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, vous débarquez dans un foyer. Vous savez, si un homme vous épouse parce qu'il vous dit que l'autre est têtu, ou alors, non, ma femme ne me fait pas de garçon, ou alors il vous trouve un prétexte, ben, sachez que de la même façon aussi, peut-être qu'il vous quittera pour aller épouser une troisième, ou alors pour rentrer voir la première. Non, qu'il vienne vous épouser parce qu'il dit, je vous aime, vous, Isabelle, je t'aime, je veux t'épouser. Mais qu'il ne vienne pas vous dire, Isabelle, je t'aime plus que ma femme, ou alors ma femme ne me fait pas ci, ne me fait pas ça, c'est ce que je recherche en toi. Eh bien, sachez qu'à ce moment, vous avez tout perdu, mais alors tout. Je crois qu'aujourd'hui, il est simplement question de rentrer dans une phase de dialogue. Je ne sais pas si pendant que votre mari vous donnait de l'argent, vous avez pris sur vous aussi de faire des économies, parce que ça aussi, c'est une grosse question à laquelle les femmes pensent très peu. Si c'est le cas, si vous avez fait des économies, parlez simplement à votre mari et dites-lui, chérie, écoute, j'ai besoin de me recréer, de me relancer. Et s'il vous donne l'autorisation, alors faites une activité. Vous décidez de partir accoucher chez vos parents, de ramener vos 3 enfants là-bas et tout, ça veut dire qu'en réalité, vous-même, vous êtes marié par intérêt, vous n'avez jamais aimé cet homme. Parce que quand on aime, on supporte. Quand on aime, on trouve des solutions. On se bat à ça, à trouver des solutions, mais pas à quitter. Si vous quittez parce que ça va mal dans votre foyer, alors sachez, madame, que vous ne resterez nulle part. Parce que dans tous les couples, dites-vous bien, il y a toujours des naufrages. Merci infiniment. Sur la question avant que je l'amène le pape, peut-être en revenant à Géraldine Mafou, c'est pour au mieux reconstruire, mieux recadrer ce qu'on entend par management justement du foyer polygamique. Quelle expérience? Est-ce que vous avez au moins une lecture autour de vous qui laisse croire que ce n'est pas toujours évident, même dans les foyers dit-on monogamiques? Je ne vais pas donner une leçon sur le management des foyers polygamiques, parce que ceux qui se marient, qui entrent dans la polygamie, savent pourquoi ils y entrent. Peut-être que moi j'ai fait l'expérience de la polygamie, mais je ne saurais dire ce qui se passe exactement dans la tête d'un homme quand il consent à vivre une vie de foyer polygamique. Ça, je ne pourrais pas le dire. Par contre, ce que je peux dire concernant l'histoire de ce matin, j'aimerais d'abord dire à Caroline, on ne se marie pas pour résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. On se marie parce qu'on a trouvé quelqu'un qui nous aime, quelqu'un avec qui on fusionne, quelqu'un avec qui on sent qu'on peut construire, quelqu'un qui nous respecte assez et qui veut nous voir faire du progrès dans la vie. Peu importe ce dont on parle, on se marie pour ces raisons, on ne se marie pas parce qu'on vient résoudre un problème. Et cela pose le problème de pourquoi on voit tout ce qui se passe dans les foyers polygamiques, parce que chacune entre pensant qu'elle est meilleure que celle qu'elle a trouvée. Non. Et il faut sortir de ce système où les hommes utilisent les femmes pour assouvir leur penchant narcissique. Vous avez des hommes qui n'ont pour désir que de mater et de rendre les femmes muettes. Alors ils utilisent la polygamie pour dire « je vais te traiter, tu vas voir, c'est la femme qui résout le problème de la femme ». Et nous les femmes, on entre bêtement dedans, on nous instrumentalise, on se fait les guéguerres, on est comme dans sur un ring. Et César se délecte des conflits, des batailles que nous livrons parce que ça le gargarise, ça le valorise, il se sent supérieur à nous les femmes. Non, la femme n'est pas la solution, ou bien les femmes ne devraient pas se laisser être la solution au problème qu'aura peut-être posé une autre. Quand vous entrez dans un foyer polygamique, ayez l'humilité, si vous avez consenti à la polygamie, ayez l'humilité de vous renseigner auprès de la première. Parce que ce que souvent l'homme va venir vous dire de la première n'est que quelque chose qu'il utilisera pour vous avoir. Et quand il aura passé le temps du petit conflit résolu avec la première ou pas, il vous fera la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est surprise aujourd'hui que son mari rentre après 5 ans auprès de la première et qu'il veut la valoriser en l'amenant à la mairie. Elle ne s'était pas gênée pendant les 5 années de ce que la première vivait. Vraiment, les femmes parfois, hein, je me demande si on réfléchit parfois bien.
Parce que pendant 5 ans, elle ne s'est pas plainte. C'est que 2 ans. Tu as déjà trop mal, tu veux déjà partir. La première, c'est comment? Donc, quand vous acceptez certaines choses, assumez. Et puis, la polygamie, je dis, c'est un aveu de faiblesse pour des hommes qui ont parfois du mal à gérer leur libido. La polygamie, c'est parfois ça. La polygamie que nos parents ont fait, nos grands-parents ont fait, ce n'est plus la polygamie d'aujourd'hui. Il faut savoir que ça a changé. C'est quoi la différence? C'est simplement aujourd'hui l'aveu des hommes qui ne peuvent pas maîtriser leur libido. Ils ne veulent pas qu'on dise que j'ai triché. Ils veulent une fois dire que je fais, elle va encore me dire quoi. Étant donné que j'ai signé polygamie, je peux avoir même 20 maîtresses en même temps. Est-ce que le problème c'est au niveau de la polygamie ou le problème c'est au niveau de celle qui ne comprend pas que lorsqu'on rentre dans un foyer polygamique, il y a des règles qui sont établies et qu'il faut apprendre à mieux les respecter. Entre autres, on comprend qu'elle est entrée avec un esprit de conflit et l'homme l'a mise dans cette prédisposition. La preuve, c'est que l'homme lui dit que la première me donnait les mots de tête, je ne veux pas que tu me donnes. Il l'a déjà fragilisée. Elle, avec ses convictions, elle ne pouvait plus en avoir. Le mari vous a dit, je ne veux pas que vous travaillez. Mm-hmm. Vous avez accepté. Prenez la peine de nous faire des enfants, mm-hmm. qu'on puisse au mieux les encadrer. Mm-hmm. Vous rendez, est-ce que cette femme, à un moment donné, ne souffre pas du fait que elle est dans une jalousie incroyable parce que son mari, quand le venant, a deux femmes. Il y a une première chez qui il peut décider de passer la nuit. Est-ce que ce n'est pas forcément ce qui se rentre la journée au point de nous ramener cette Monsieur Michel Ngatchou, il n'y a aucune femme qui veut et qui souhaite partager son mari. Ça n'existe pas. Celle qui vous dit ça veut d'abord entrer avant de voir comment ça va faire après. Et c'est pour ça qu'on a tous, qu'on vit dans les foyers polygamiques, parce qu'on veut d'abord entrer, porter au moins le nom de madame. Ensuite, on va gérer ce qui vient après. Non! Non, il faut bien mesurer ses choix. Et je dis encore, les convictions personnelles, les convictions profondes d'une femme, c'est important parce que lorsque tout le monde vous aura abandonné, la seule personne avec qui vous resterez, c'est vous-même. Et quand vous n'avez pas de convictions personnelles, vous serez malheureuse parce qu'aujourd'hui, elle est perdue. Voulait-elle travailler? Elle a fait une formation d'infirmière. Elle était en train de travailler. Un homme la prend, la met dans un mariage et dit ne travaille plus. Elle dit j'ai peur qu'ils disent aussi que je suis têtue. Elle laisse le travail. On l'avait en fait prédisposée à tout accepter. Et c'est de la manipulation. Les hommes sont manipulateurs par essence. Certains, il faut le savoir. Et surtout, la polygamie est un jeu de manipulation. Peut-être c'est choquant, mais il faut savoir qu'un homme ne peut pas gérer la polygamie sans mentir. Il donnera toujours l'impression à l'une qu'elle est favorisée par rapport aux autres. Et ainsi de suite, il jouera ainsi jusqu'au jour où vous comprendrez qu'en fait, il n'aime personne sauf lui-même. On manipule les personnes qui veulent être manipulées. C'est pour ça qu'on ne manipule pas les personnes qui ne sont pas manipulables. Peut-être pour mieux nuancer, dire certains hommes, et même encore, il y a des familles polygamiques dans lesquelles les femmes se sentent toutes très bien dans la gestion, dans le management qui est fait. Donc, ce n'est pas forcément... Elles se sentent bien, elles vous donnent l'impression. Il y a des familles, si vous voulez qu'on prenne des exemples, par exemple à l'Ouest Cameroun, où dès que le garçon a fait une succession, lui également est prédisposé à avoir 2, 3, voire 4 femmes. C'est une réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il a hérité d'une attitude, il a hérité de quelque chose, et ça le met dans ces conditions-là de toutes les façons. Ben maintenant, le management est une autre chose. L'impression que ça donne cher la main, c'est qu'on est en face d'une femme qui souffre en fait, excusez, peut-être elle est très jalouse, de ne pas accepter que son mari retourne avec la première, forcément parce qu'on lui a fait miroiter un certain nombre de choses. Quel commentaire vous placez dans l'histoire de ce matin? Monsieur Ngatchou, il faut déjà dire que on ne doit pas faire une interprétation intellectuelle de la polygamie. Oui. C'est comme ce qu'on nous raconte tous les jours là. On a dit dans la Bible, l'homme aimera son prochain. On n'a pas dit au pluriel, ses prochains. Son prochain, Théo. Son prochain, Nachou. Son prochain, Isabelle Caron. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. On dit non, là, c'est une seule femme. Ce n'est plus son prochain, qui était plusieurs, ça devient unique. Interprétation intellectuelle. Mm-hmm. Ici, on n'a pas affaire à une polygamie. Je suis désolé, ce n'est pas de la polygamie. Parce qu'on n'a pas respecté le principe de la polygamie qui voudrait que ce soit la première femme qui va chercher la deuxième femme. Primo. Secondo, que les deux familles définissent le modèle et le comment ils vont vivre. Donc, à ce niveau, ne me parlez pas de polygamie et je souhaiterais que toutes celles qui ont critiqué la polygamie retirent parce qu'elles n'en savent rien. Déjà, ce que vous avez dit, je ne retirerai pas. Vous ne retirerez pas. Je ne retirerai pas. Je suis désolé. Dans un cas de polygamie. Je suis désolé. Je ne retirerai pas. Deuxième chose, monsieur Michel Gattou. Ici, l'homme cherchait une femme qui devait résoudre un problème et non la polygamie, la tétutesse de sa femme.
Il ne cherchait pas une femme à aimer, mais une femme qui devait résoudre le problème de la tétutesse de la femme qu'il aimait le plus, sa première femme. Il n'a jamais dit à celle-là, je t'adore. Il a dit, ma femme est têtue. Ma femme est têtue, c'est l'histoire. Et parce que ma femme est têtue, je souhaite résoudre ce problème. Et tu es celle que j'ai trouvée pour résoudre le problème de la tétutesse. Et lorsqu'elle venait, c'était pour opposer la soumission complète à la tétutesse. C'est un contrat qu'elle a signé. Elle ne peut pas venir aujourd'hui nous raconter qu'elle est montée, elle est descendue, elle alla à dextre, elle alla à sinistre. Quelle excuse! Elle est venue résoudre le problème de la tétutesse. C'est comme quelqu'un, et je le dis d'habitude aux jeunes filles, celui qui te dit on sort, on part danser. Tu dis non, mon gars m'a invité pour aller danser. Non, tu entres dans son plan. C'est lui qui veut s'amuser, c'est pas toi. Tu es dans son film. Donc lorsqu'on lui a dit que tu viens là pour résoudre la tétutesse, elle aurait dit, et moi alors, ma situation, ce sera laquelle, une fois que ta femme sera redevenue, c'est comme des femmes qui sont têtues, qui méprisent leur mari, il est obligé d'abandonner cette femme, chercher une autre femme dehors, qui elle va le calmer pour résoudre. Et lorsque M. Michel Ngatou, ça c'est une stratégie que beaucoup d'hommes appliquent, lorsqu'il y a le désordre dehors, dedans, on fait la paix dehors. Lorsqu'il y a le désordre dehors, on fait la paix dedans. Donc le gars a fait, c'est pas une manipulation. Le gars a fait la paix. C'est la partie du management de. Non, c'est pas le management. Il a fait la paix avec sa femme. On joue avec les. Il a fait la paix avec sa femme. Sa femme est revenue à des meilleurs sentiments. Ce qu'il attendait de sa femme, elle est redevenue douce, posé, gentil, calme, raison pour laquelle il dit, pour te récompenser, je t'amène. Et donc c'est ton jeu. Bah, fondamentalement, qu'est-ce qui fait la deuxième qui l'a prise là? Je ne peux pas parler de ça parce que c'est pas la polygamie. Vous me faites commenter, ce n'est pas la polygamie. On n'est pas dans un cas de polygamie. Parce que si on était dans un cas de polygamie, tout ce qui est en train de se développer aurait été résolu en amont. Donc. Parce qu'en ce moment, elle ne nous a jamais dit qu'elle a appelé le chef de famille. Parce que certainement, le chef de famille, on ne le connaît pas. Elle n'a jamais appelé un membre de la famille pour gérer la situation. Parce que forcément, même s'ils sont connus jusqu'au jour de manière officielle, on n'a pas posé les bases de cette relation. Donc la fille se retrouve perdue en disant, qu'est-ce que je fais? Peut-être la première femme, elle travaillait. Raison de sa tétutesse, il dit, alors tu arrêtes. Elle arrête, elle reste à la maison. Entre-temps, celle qui travaille réussit à trouver le juste milieu pour amener son mari. Donc je pense que cette fille ne s'est pas posée. Elle est perdue. Non, elle n'est pas perdue. Ce qu'il faudrait dire à cette femme, et je dis à toutes les femmes, respectez votre contrat du départ. C'est un contrat qu'elle a accepté. Elle a choisi de se plier. Si aujourd'hui elle décide de se révéler, de se rebeller, elle entre dans la tétutesse de la première. Et elle, donc c'est dès les premières heures. Soit elle part, ce qui serait impossible parce qu'elle a trois enfants. Elle entre dans le troisième. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle négocie tout. Et elle fait entrer d'autres acteurs qui vont, d'autres acteurs de la famille de l'homme, de sa famille, qui vont négocier avec le mari pour les ramener à leur juste faveur. Du genre, je me suis plié, j'ai fait ce que tu voulais, jusqu'aujourd'hui j'ai trouvé, mais je me rends compte qu'aujourd'hui tu es en train d'amener l'autre, parce que ça m'est le point fondamental. Oui. Tu es en train d'amener l'autre à la mairie, tu es en train de penser, alors que je pensais que toi et elle, ça n'allait jamais tourner, c'était rentré, je viens de me rendre compte, on négocie, monsieur Michel Ngatou. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de querelle à faire à ce niveau. Alors, on retient bien sûr une chose ce matin, c'est que elles sont nombreuses les femmes qui nous regardent, les mamans en même temps. Mais dites-nous concrètement, madame, avez-vous le courage nécessaire de chercher une deuxième épouse pour votre mari aujourd'hui? Si oui, comment allez-vous procéder? Mais à côté, monsieur en même temps, est-ce que vous devriez réellement laisser une femme rentrer dans votre vie sans en tenir compte justement de votre première épouse? N'est-elle pas justement celle-là qui devrait prendre sur elle la peine d'aller chercher la deuxième idée et vous la ramener à la maison pour qu'il y ait une vraie complicité, pour qu'il y ait un joli mariage? On en reparle, madame, mais sûrement comme petit moment, petite pause, et on parle de la colère ce matin avec Charles Mbatiou. Je m'interroge ce jour sur la question de la prééminence des faux doctorats, des doctorats fabriqués, des doctorats rédigés par des cabinets contre paiement cash
au sein même de l'université camerounaise. L'environnement universitaire au Cameroun serait pollué par de faux diplômes, doctorats fabriqués de toutes pièces contre des sommes d'argent véritablement versées à qui, vous savez, tenant cette mafia dans l'ombre. Réseau de faux doctorats, on en parle, même les universitaires ayant obtenu leur doctorat il y a plus de 20 ans, s'interroge comme moi sur les sorties, la délivrance de ces précieux sésames ces derniers temps. Il faut dire qu'à l'université ou dans les universités, on se pose la question de savoir est-ce encore l'étudiant, le doctorant qui rédige sa thèse de doctorat, est-ce encore lui? Au vu de la rapidité avec laquelle certaines personnes inscrites en Master 2 se retrouvent à rapidement soutenir tel des Lucky Luke. Thèse rédigée, dit-on de ce côté, par des équipes spécialement conçues, des équipes spécialement montées par certains responsables des départements contre paiement cash pour des cancres sans niveau. On parle des sommes avoisinant les 2 millions de francs CFA cash. On parle des sommes avoisinant 1 500 000 suivant la filière, suivant, on va le dire, les départements. Il se retrouve donc à avoir des étudiants en Master 2 qui en un temps record, parce que ami avec un X, parce que parrainé par un Y, parce que administrateur dans X ou Y structure, parce que gestionnaire de gros fonds, se retrouve à décaisser ses fonds, mettre cet argent à disposition de ce cabinet monté pour la rédaction en un temps record d'une thèse de doctorat validée d'avance. Qu'est-ce qui caractérisera à la fin l'étudiant dans ce pays ou alors le docteur dans ce pays? L'excellence ou la diplomite? Quelle est la base sur laquelle on délivre désormais des doctorats au Cameroun? Comment se passent parfois certaines soutenances? Telle est la question. Parcourez Facebook et vous verrez de janvier à aujourd'hui, mai 2022, combien de personnes ont soutenu les doctorats pour après avoir pris la thèse ou après avoir pris le sujet, 1 an, 2 ans. Quelle rapidité! Quel est donc le rôle du bureau de cette équivalence des diplômes dans ce pays si à un certain moment on se retrouve avec cette même facilité venue de l'extérieur? Alors que c'est les étudiants d'Afrique centrale qui se retrouvent à venir soutenir au Cameroun, désormais c'est les Camerounais qui vont plutôt soutenir ailleurs et nous ramener des doctorats. Des doctorats qui amènent décidément les universitaires à se demander s'il ne faudrait pas véritablement lancer un processus de réforme au sein des universités avec des doctorats désormais à tête chercheuse. Ceux-là qui se battent, qui prennent 3, 4, 5 ans, 6 ans, qui amassent de leur temps, de leurs ressources financières pour pouvoir rédiger leur thèse de doctorat, malheureusement, ont des difficultés à avoir une seule date. Une date pour leur soutenance. Ils ont des difficultés à parfois gérer avec leur directeur de mémoire qui se retrouve parfois à créer des conflits, à créer des problèmes là où il n'en faut. Mais il y en a d'autres qui, à peine arrivés, à peine ont la thèse déjà rédigée, à peine ont une date, à peine soutiennent. Vivement que l'université qu'on a connue, cette université change. Vivement qu'on se retrouve à avoir des vrais docteurs. Parce que, aux dernières nouvelles, sur 10 recrutements, sur 100 personnes recrutées, on a 95 faux diplômes et on a 50 faux doctorats. La question est urgente. Il faut en parler ce matin. Et on salue les universités qui nous regardent religieusement et qui sont devant leur petit écran, puisqu'on parle encore ce matin de faux diplômes au sein des institutions académiques au Cameroun.
On regarde aussi le ministre de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas que lui. Si on revient au Cameroun, bien sûr, on parlera aussi du ministère des enseignements secondaires et même du ministère de l'éducation de base. On tentera également ce matin d'aller plus loin avec les enseignements, je vais dire, les universités qui sont hors du Cameroun et qui attribuent quelquefois des diplômes à quelques chercheurs qui y vont et qui reviennent au Cameroun. Madame Echon n'en parle ce matin, mais je voudrais m'arrêter sur un premier point. Donna Briscam, quand je commence avec vous, un premier point qui me semble être assez pertinent, c'est le problème de recrutement au sein, bien sûr, des institutions académiques au Cameroun. Qui est-ce qu'on recrute d'abord comme enseignant? Sur quelle base? Élément de réponse? C'est une question qui a beaucoup de ramifications. Mais disons que les ressorts de cette généralisation des faux diplômes, c'est autour de trois éléments essentiellement. D'abord, le statut du diplôme. Vous savez que dans la culture francophone dans laquelle nous sommes moulés, le diplôme est un élément de prestige. Lorsque vous êtes diplômé, lorsque vous êtes bardé de diplôme, on vous considère comme une élite, on vous considère comme quelqu'un d'accompli, on vous considère comme quelqu'un qui a réussi sa vie quasiment. Et c'est pour cela donc qu'il y a une course effrénée vers le diplôme. Le deuxième élément, c'est les implications économiques du diplôme. Lorsqu'on a un certain niveau, on espère une certaine rémunération. Celui qui est entré, je dis n'importe quoi, à la police avec le baccalauréat, par rapport à celui qui est entré avec la licence, forcément, en termes de salaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'un doit gravir les échelons, bénéficier des acquis de l'expérience pour espérer avoir un certain niveau en termes de rémunération. Donc ça également, ça fait courir. Ensuite, il y a l'impunité qui nourrit cette généralisation des faux diplômes dans notre environnement. Si les gens savent qu'ils vont faire recours aux faux diplômes, qu'ils vont se faire délivrer des faux diplômes sans être poursuivis en justice, je rappelle que pour le cas du Cameroun, l'article 144 du code pénal punit, je crois, entre 50 000 et environ 3 millions de francs CFA, ceux qui sont les agents publics fonctionnaires qui sont reconnus pour avoir établi les faux diplômes, mais également ceux qui font usage de ces faux diplômes-là. Mais on a entendu souvent que jusqu'à la présidence de la République, c'est-à-dire le siège, le symbole du leadership politique au Cameroun, les gens font recours aux faux diplômes sans pourtant être poursuivis. Non seulement être poursuivis, mais vous savez que lorsque vous êtes servi d'une licence pour obtenir un salaire qui est donc finalement un salaire indu, on doit non seulement prononcer votre déchéance au plan administratif, mais également vous poursuivre en justice, vous condamner, mais aussi, puisque vous avez pendant toute cette période-là finalement perçu une rémunération qui est indue, vous devez rembourser ce que vous avez peut-être pendant 5, 10, 15, 20 ans perçu comme de l'argent avec un diplôme qui s'est avéré faux. Donc, si toutes ces sanctions-là ne sont pas prises, les gens ont le sentiment qu'ils peuvent de toutes les façons passer entre les mains du filet. Mais là, justement, vous touchez un point qui peut sembler être anodin, c'est celui porté sur la justice. La justice qui devait faire son travail. Il faut absolument sévir ceux sur qui on porte des accusations de tenir des faux diplômes aujourd'hui. Le phénomène n'est pas nouveau. On s'en souvient en 2003, en 2002, si mes souvenirs sont exacts. L'université de Douala avait brillé justement par une question comme celle-là, où d'ailleurs autour de l'université de Douala, on trouvait bien sûr des étudiants de la cellule informatique hein, qui étaient rentrés dans la maîtrise de la délivrance hein, des faux diplômes. On parlait également des enseignants même qui venaient, pas seulement pour le cas de l'université de Douala, même dans d'autres institutions académiques au Cameroun, qui viennent quand même dispenser des cours avec ce qu'on appelle des diplômes, parfois pas obtenus au Cameroun, diplômes obtenus à l'étranger. Revenons justement sur la question des faux diplômes. Géraldine Mafo, quelle lecture faites-vous entre les faux diplômes, très souvent venant de l'étranger, où on n'a pas le temps d'aller vérifier, hein, je veux dire, avoir la vérité justement sur le diplôme, et la mise à disposition d'un tel diplômé hein, auprès des étudiants pour leur dispenser des cours. Faux diplôme au cœur de l'académie et enseignement, qu'est-ce que ça pose pour vous comme problème?
Pour les diplômes qui viennent d'ailleurs et dont on n'a pas la capacité de vérifier si oui ou non ils sont véritablement, ils reflètent le niveau de l'étudiant, on ne peut rien dire parce qu'on n'est pas là-bas. Mais au moins pour ceux qui sont des docteurs ici, on a la possibilité de savoir si oui ou non il y a véritablement eu travaux de recherche qui ont mené à ça. Ici, pour les diplômes obtenus à l'étranger, il y a une commission qu'on appelle la commission d'évaluation des formations dispensées à l'étranger, qui est logée au ministère de l'enseignement supérieur, qui siège assez régulièrement et qui est censée délivrer des équivalences et donc authentifier également les diplômes qui sont dispensés, qui sont reçus à l'étranger par l'État. C'est une direction, en fait. C'est une commission. Voilà. C'est une commission. Donc, ça, voilà, on peut dire que si cette instance fonctionne bien, on a donc la possibilité de savoir si oui ou non vos diplômes sont authentiques ou pas. Pour ce qui est du Cameroun, le faux ne relève pas seulement du ministère de l'enseignement supérieur. Le faux, il est partout. Les faux diplômes ou les faux papiers se retrouvent partout. Pas étonnant que ce domaine universitaire, pourtant très sensible, soit également concerné. On est dans un pays où lorsque votre proche accède à un poste, vous devez absolument profiter de son séjour à ce poste pour avoir tout ce qui peut émaner de cette fonction-là. C'est pourquoi un artiste a chanté « Mon frère est en haut, ma vie va changer ». Et ça change vraiment sur tous les plans. Si vous voulez devenir docteur sous lui, il est bien plus facile pour vous de faire tous les micmacs qui vont avec et avoir votre diplôme. Sous d'autres cieux, les docteurs sont mis à contribution pour résoudre les vrais problèmes de la société. Mais avez-vous déjà vu au Cameroun où véritablement on consulte ces gens pas? Parce qu'on penserait vraiment qu'ils ont matière à apporter des solutions. Non, comment on sait comment ils se fabriquent? On ne les consulte pas. Parce que tout le monde sait que vos choses-là, c'est nous qui avons décidé de vous donner. Donc, du coup, on ne les consultera pas. Et ça, et la société est le reflet même de ce que tout est magouille. Si tout est vendable, pourquoi ne pas tout acheter? Simplement donc. Je pense que le problème de faux diplôme au Cameroun est un problème qui découle du système corrompu qui régit le Cameroun. D'accord. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais à côté de ça également, il faut quand même mentionner que nous parlons un instant de la qualité de l'enseignement. Lorsque vous obtenez un faux diplôme et vous êtes recruté au sein d'une formation académique, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait de la qualité de l'enseignement? Un peu comme ce qu'on voit dans les lycées. Ce n'est pas parce que ça concerne les étudiants, l'éducation ou bien l'enseignement sera biaisé. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a jamais voulu être enseignant, il abandonnera les élèves et tout. Quand vous prenez quelqu'un, vous lui donnez un doctorat et qu'il ait l'obligation de dispenser des cours, il ira faire le peu qu'il peut saisir et normalement l'enseignement ou bien les cours qu'il dispensera seront des cours dilués parce qu'en fait ce n'est pas ça son problème. L'objectif n'était pas d'entrer dans un amphi et de dispenser des cours magistraux, c'était d'avoir ce titre. Et d'ailleurs, vous le savez qu'il y a même des guéguerres sur les réseaux sociaux ou bien sur certains plateaux de télé, appelez-moi docteur, respectez mon diplôme. C'est le faire valoir, comme le disait tantôt Donald Brice, on est dans un système qui a encouragé ça. Plus vous aurez des grades et mieux vous pourrez vous targuer de les avoir et imposer un certain respect. C'est le système qui veut ça. On s'en souvient, Isabelle Caron-Zepel, qu'il y a quelques temps, je pense bien, il y a quelques temps, voilà, mes souvenirs ne sont pas rangés en ce qui concerne la date exacte, que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a engagé un vaste recrutement des contractuels, souvenez-vous. Et lors de ce recrutement des contractuels, on parle, je crois bien, de 11 000 contractuels, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre aussi important de faux diplômes au Cameroun, partant de l'Office national du baccalauréat. C'est-à-dire que pour ceux qui ont tenté d'authentifier, ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'Office national du baccalauréat, il y a des gens dans les ministères qui ont des diplômes et que l'Office ne reconnaît pas comme étant justement détenteurs de ces diplômes-là. Fondamentalement aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Cameroun, dans sa globalité, souffre d'un réel problème d'informatisation de ces fichiers également, partant du ministère de l'éducation de base pour le secondaire et même pour le supérieur aujourd'hui? On dira que... Informatisation et vérification, une base de données solide. Ce n'est pas sur le niveau d'outils ou de ces appareils ou informatiques qu'il faut miser. Mais il faut retenir qu'il y a des brebis galeuses dans ce gouvernement ou ces personnes qui sont censées veiller à ce que les bons diplômes pour puissent circuler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces faux diplômes, même pour savoir que c'est un faux diplôme, mais je puis vous assurer qu'il faut être un expert. Parce que vous tenez un faux diplôme en main, mais je puis vous assurer de ce que il a tout d'un vrai diplôme. Vous mettez le vrai du faux, qu'il faut vraiment prêter attention et être un connaisseur de chez connaisseur
pour savoir que si c'est un faux diplôme. Simplement pour expliquer le fait que ce sont de fins bandits, entre guillemets, ou de fins stratèges. Et qu'en réalité, il y a des intrus aussi. Parce que ces faux diplômes, ce n'est pas dans un coin de la rue qu'on les obtient. Ces faux diplômes, il faut aussi être dans le bon réseau pour avoir ces faux diplômes. Ça veut dire que ils partent du vrai pour établir le faux. Et ceux qui établissent le faux sont ceux qui savent comment on établit le vrai et qui sont là où on établit le vrai. Ce sont eux qui se permettent aussi d'établir le faux. Le citoyen lambda ordinaire qui n'a rien à voir avec ça, qui ne sait pas comment ça se passe, 20 ans, 30 ans ne saura même pas comment on arrive pour avoir un faux diplôme. Mais pour arriver à faire un faux diplôme, il faut d'abord arriver à pouvoir constituer un vrai diplôme. Donc, il faut simplement traquer ces personnes, ces intrus-là, qui se permettent de désacraliser l'éducation en réalité. Parce que vous aurez beau participer pour un concours, pour une demande d'emploi et tout, vous avez votre niveau de compétence. Quelqu'un viendra avec ses faux diplômes, il dira qu'il a eu un diplôme de telle ou telle autre année ou quoi que ce soit, qu'il passera. Pourtant, ce sont de faux diplômes. Et parfois, on sait que c'est un faux diplôme, on le recrute. Simplement parce qu'il est dans le réseau, il est dans le système. Donc, c'est pour dire que ces personnes sont connues et il faut simplement pouvoir démanteler ce réseau qui n'est pas loin de nous, mais qu'enfin de ne pas savoir. Beaucoup pensent en réalité que lorsque vous avez des faux diplômes, vous êtes recruté, vous êtes des agents bien placés en interne pour servir d'éléments de renseignement. Et quand bien même, on sait qu'il y a des personnes qui sont impliquées dans le CERAE, souvent dans l'administration, pour veiller sur X ou sur Y, est-ce qu'on va dire justement que l'État est complice de ces faux diplômes-là aujourd'hui? Parce que avant l'émission, des gens ont fait des témoignages comme quoi il y en a qui sont recrutés à des faux diplômes pour servir d'indic dans les administrations camerounaises. Oui, la complicité, je l'ai dit depuis longtemps. Ils sont complices. C'est pourquoi je vous dis, même pour arriver à avoir un faux diplôme, c'est pas facile, hein, Michel Ngatchou. Il faut avoir aussi la bonne information. C'est ça que je dis, c'est un réseau. Et un vrai réseau, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui arrive à ça. Et on a écouté la colère, ça va chercher dans les 2 millions, 3 millions pour avoir de faux diplômes aussi. Mm-hmm. Donc vous voyez tout ce que la personne dépense pour avoir cela, ben vous comprenez que ceux qui le font sont aussi hyper exigeants. Pourquoi est-ce qu'ils sont exigeants? Parce qu'en fait, la part ne vous revient pas seule. Vous êtes obligé de donner pour tel qui sait aussi que voilà ce que tu es en train de faire. On est dans le faux, quoi. On est dans le faux et on n'est pas seul dans le faux. Alors, je voudrais peut-être relancer sur la question, bien sûr, de l'authentification des diplômes à l'étranger, où d'ailleurs, on n'a pas du bureau d'équivalence des diplômes aujourd'hui, qui est supposé faire son travail au niveau du ministère des enseignements, de l'enseignement supérieur, puisque ce bureau y est logé. On va tenter tout à l'heure, madame, monsieur, de mieux comprendre s'il faudrait peut-être pas au Cameroun désormais créer une réelle institution qui doit veiller à la qualité et à la fiabilité des diplômes brandis aujourd'hui dans notre pays.